quel choix quand on m'a dit nous allons à la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux ce soir? Oh Lord, hear my cry. Sois attentif à ma prière. Be attentive to my prayer. Du bout du monde, from the ends of the earth. Quand je n'en peux plus. When I can go no further. Je t'appelle au secours. I call upon you for help. Conduis-moi au rocher. Lead me to the rock. Que je ne puisse atteindre. That rock that is higher than. Il y a quelqu'un qui peut demander au secours. Jesus.
Je veux découvrir un nouveau lieu dans ta présence. I want to discover new places in you. Je crois que tu vas nous parler ce soir. I believe you're going to speak to us tonight. Vous pouvez vous asseoir si vous le désirez. Be seated. Je sens le feu de ton esprit. Je sens le vent de ton amour. Dans mon cœur réside la joie de ta présence. Thank you.
vous irez trouver même ici, je vais vous prendre devant le Seigneur. Yes!
regardless of our sinful condition. Tu continues à me bénir. You continue to bless me. Alléluia. Donc, on va terminer ce moment d'adoration par un dernier chant. We're going to conclude these final moments of worship. Bon. Une fois. We're going to sing it through one time. Excusez-moi. Je pense que l'Église a besoin d'être encouragée. I think the church needs to be encouraged tonight. On a parlé donc de nouveau réveil. Talking about revival. Et je pense que ce chant le caractérise bien car l'Église sera toujours debout. And I think this song says it well. The church will always be standing. And most especially this evening, the foreign delegation, those who are here from outside of France. On a énormément de personnes qui sont là d'autres pays. We have a lot of people with us here from outside of this country. Et on voudrait les honorer ce soir. And we want to honor you this evening. Donc, ce que je vais demander, c'est que fasse un peu comme d'habitude. So I'd like to, we usually do this each year, but we're going to do it again tonight. C'est que quelqu'un crie son pays. That someone would just call out his country name. Son pays se lève. And everyone from that country can stand up. Who will be first? Holland! 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 Quelqu'un d'autre? Someone else? Belgique, Belgium!
United States of America. Teachers. Et surtout, nous voulons acclamer notre Seigneur.
Seigneur Jésus parce qu'il vous a donné here. Philippiens 3, 13 et 14. Philippians 3, 13 and 14. Je ne pense pas avoir saisi. Brethren, I count not myself. Mais je fais une chose. To have apprehended, but this one thing I do. Oubliant ce qui est en arrière. Forgetting those things which are behind. Et me portant vers ce qui est en avant. And reaching for them to those things which are before. Je cours vers le but. I press towards the mark. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. For the prize of the high calling of God in Jesus Christ. Pendant les trois années. During the last 3 years. Vous avez appris beaucoup de choses. De la parole de Dieu et de vos enseignants. You learned much in the Bible and also from your teachers. Mais surtout, but ne vous arrêtez pas là. Especially don't stop there. Vous ne savez pas tout. You don't know everything. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. There's always something new to learn. Et Ésaïe 45, 3 nous dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Isaiah 45, 3 says, and I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places. Donc grandissez toujours dans vos connaissances et vos expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. So continue to grow in your knowledge and experience with the Lord. Sachez une chose, dès que vous arrêtez d'apprendre, know that when you stop learning, vous commencez à mourir. You start to die. Mais aussi longtemps que vous apprenez, vous grandissez. But as long as you are learning, you are growing. La croissance signifie un changement. Growth means change. Toujours changer pour le mieux. Always change for the better. D'ailleurs, la parole de Dieu nous encourage de marcher de progrès en progrès et de victoire en victoire. The word of God encourages us to walk from glory to glory, from victory to victory. Mais je voudrais que vous notiez soigneusement ce soir. And note carefully tonight. Vous ne devez jamais, jamais changer ou compromettre la doctrine apostolique. You must never, never compromise or change the apostolic doctrine. Vous êtes dans l'Église de Jésus-Christ. You are in the Church of the Lord Jesus vous Christ. Vous entendez l'enseignement de la parole de Dieu que les apôtres ont enseigné. Where you hear the teaching of the Word of God which the apostles taught. Alors soyez toujours sûrs d'aimer et de chérir cette vérité. So be sure to love and cherish the truth. Par contre, n'ayez jamais peur de changer votre attitude. On the other hand, don't ever be afraid vos to change méthodes, your traditions, your methods, your traditions. Lorsque vous avez peur de changer, because when you're afraid to change, vous arrêtez de grandir. You stop growing. Et quand vous arrêtez de grandir, and when you stop growing, vous commencez à mourir. You start to die. Pour grandir, il faut avoir une vision. In order to grow, you must have a vision. Un objectif. A goal. Une passion. A passion. Comme la parole de Dieu vous a dit, vous portant toujours vers ce qui est en avant. As the word says, to reach forth unto those things which are before. Mais la croissance ne vient jamais sans le sacrifice. But growth never comes without sacrifice. Parce que pensez, où serions-nous aujourd'hui si Jésus-Christ n'a pas donné sa vie sur la croix du calvaire pour chacun d'entre nous. Where would we be today if Jesus didn't give his life on Calvary? Et le sacrifice de Jésus-Christ est un exemple pour nous à suivre. And the sacrifice of Jesus is an example for us to follow. D'ailleurs, Jésus-Christ exige un sacrifice de vous. As a matter of fact, Jesus demands a sacrifice from you. Matthieu 16, 24 nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prend sa croix, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthew 16, 24 says, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Oui, 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 le salut est gratuit. Yes. On ne peut rien faire pour nous sauver. Yes, 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 salvation is free. Mais en même temps, le salut vous coûte tout et tout ce que vous avez. You cannot do anything to save yourself, but at the same time, salvation will cost you everything you donc, have. Donc, Jésus-Christ exige la possession totale de tout ce que nous possédons Jesus, et de tout ce que nous sommes. Jesus wants total possession of you and all you possess. En réalité, Jésus-Christ désire un sacrifice divin. In actual fact, he demands a living sacrifice. Donc, ne dites jamais,
Don't ever say que vous voulez être un missionnaire de l'autre côté du monde. You want to be a missionary on the other side of the world. Si vous ne pouvez même pas évangéliser votre voisin. If you can't even evangelize your neighbor. Amen. Parce que ce sont des paroles vides. Those are empty words. Des chrétiens vides. Qui ne veulent pas sacrifier. Do not want to sacrifice. Le sacrifice est l'écoulement naturel d'une vie qui est remplie avec l'amour de Dieu. Sacrifice is a natural result of a life that is filled with the love of God. Et Romains 5, 5 nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. And Romans 5, 5 says, the love, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Et merci Seigneur parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. And thank the Lord that we're filled with the Holy Ghost. Tout ce que nous faisons pour Dieu, everything we do for God, est facile quand c'est fait par l'amour. Is so much easier when it's done with love. Aimez-vous le Seigneur assez? Do you love the Lord enough? Pour témoigner? To be a witness? Pour prêcher? To preach? Pour évangéliser, to evangelize, pour servir, to serve. Est-ce que vous aimez le Seigneur assez? Do you love the Lord enough? De prendre la parole de Dieu. To take the word of God. Cette parole vivante. This word alive. Qui transforme la, la vie des gens. That transforms the lives of people. Et est-ce que vous pouvez dire, je n'ai point honte de l'évangile? Can you say I'm not ashamed of the gospel? C'est une puissance de Dieu. It's the power of God. Pour le salut de vie. Et on ne le fait pour aucune autre raison. And we don't do it for any other reason. À cause de notre amour pour Jésus-Christ. But for the, our love for God. On n'attend aucune récompense. We don't expect aucune any éloge. Awards. No praise. Aucune position. No position. Tout simplement. But simply. Parce que j'aime Jésus. Because I love the Lord. Je veux lui plaire. Bien-aimés, vous êtes si beaux ce soir. Dearly beloved, you're so beautiful today. Vous avez passé beaucoup, beaucoup de temps dans les études de la Bible. You spent much time in the study of the Word. Ne le gaspillez pas. Do not waste it. Ne le négligez pas. Do not neglect it. Utilisez tout cela pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Use it for the glory of God and for salvation of souls. Parce qu'il y a un vaste champ de moisson devant nous. Because there's a vast mission field before us. Et la moisson est blanche. And the harvest is white. Et ce soir, and this evening, le Seigneur vous donne le même message. The Lord is giving you the same message. Qu'il a donné à l'église de l'Apocalypse. That he gave de Philadelphie dans le livre d'Apocalypse. That he gave to the church of Philadelphia in Revelations. Et vous allez le trouver dans Apocalypse 3:8. Revelations 3:8. Et je voudrais que vous souveniez cela dès maintenant and jusqu'à le restant de votre vie. Remember this as of today and for the rest of your life. Et le Seigneur nous dit ce soir. The Lord says tonight. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. I have set before thee an open door. Que personne ne peut fermer. And no man can shut it. Alléluia. Donc bien-aimés. Loved ones. Bien-aimés. Entrez dans cette porte ouverte. Walk through this open door. Et ne regardez jamais, jamais en arrière. Never, never look back. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. À tous nos visiteurs encore une fois. Once again to all of our guests. Je vous avais dit cet après-midi que dans nos conventions, nous avons aussi des choses qui sont nationales pour la France. We have things here that are particular to the French work. Et l'école biblique a un rôle important dans l'œuvre ici en France. You know, this French Bible Institute plays a very important role for the work in France. Et nous sommes très très contents pour ces 5 étudiants qui sont qui reçoivent leur diplôme aujourd'hui. We're so happy for these, for these 5 people who are going to receive their diplomas this evening. À savoir qu'il y en a 28 qui sont en cours en ce moment. To know that there are still 28 students who are in process. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais donc vous demander de vous lever et puis nous allons vous donner les diplômes.
asking these students to stand. We're going to present these diplomas to them. Et on va le faire par ordre de croissance. On va terminer avec la personne qui est notre major de promotion. Alors, la première personne à laquelle on va donner un diplôme aujourd'hui, c'est notre ami Christian Scola. Troisième diplôme sera donné à Lisa Chekadam. Votre quatrième diplôme sera donné à Marie-Vanessa Panoukou. Merci Seigneur. Et puis notre major de promotion, Martine Montauban. Sister Martine, just to leave us with a few words. Je suis dans l'émotion. You know, I feel emotional tonight. C'est un honneur pour moi. What a great honor for me. De me tenir là devant vous tous. To find myself before you this evening. Et d'obtenir cette distinction. And to obtain this high distinction. Je tiens à remercier. Chaque professeur. I would like to thank each teacher. Chaque professeur que je ne vais pas citer. I'm not going to name them all. Pour vos enseignements. But I'd like to thank you for your teaching. Vos encouragements. Your encouragement. Votre soutien. And your support. Je parle au nom de toute ma promotion. And I think that I'm speaking on behalf of all of these students that are graduating with me. Lorsque je dis que nous vous devons beaucoup, beaucoup, beaucoup. That when I say that we owe you so very much. J'ai une pensée toute particulière pour mes sœurs. I have a thought this evening for my sisters. Virginie. My sister Virginia. Et Esther. And also Esther. Qui ont été mes compagnons dans cette aventure. Who have been my friends alongside of me in this great adventure. On s'est entraînés, attendus. We studied together. On s'est encouragé, soutenu. We encouraged one another. Et même lorsque je rattrapais ma semaine du mois d'août. And even when I was doing some makeup work in the month of August. Elles m'ont pas oublié. They didn't forget me. Et sans vous, ça n'aurait pas été la même aventure. And I just want to tell you that without you two ladies, it wouldn't have been the same adventure. C'est tout ça l'aventure IBF. And in fact, this is the great IBF adventure. L'amour de la parole qui se transmet. The love for the word of God that is conveyed. Des hommes et des femmes de Dieu qui partagent leur appel avec passion. Men and women who share the call of God upon their life, their passion with others. Et aussi un groupe de chrétiens qui prient, qui mangent, qui étudient. And also as a group, as a Christian body, studying together, eating together, praying together. Dans un même esprit, un même but. Having one mind, one spirit, one goal. Aller jusqu'au bout. To go all the way to the end. Devenir des pionniers pour notre Seigneur. To become pillars in the kingdom of God. Des ministres de l'Évangile. Preachers of the gospel. Je rends gloire à Dieu pour tout ça. And I give glory to God for all of that. J'ai commencé IBF pour approfondir mes connaissances bibliques. I went to Bible school. I came to IBF just to get a deeper knowledge of the word.
Je termine l'IBF avec un appel confirmé. And I am concluding my 3 years at IBF with a definite call of God upon my life. Une foi affermie. Once affirmed. Et un désir d'œuvrer plus dans mon église et aimer plus mon prochain. Affirmed and holding a desire greater than ever before to be the best that I possibly can in the things of God and particularly in my home church. Vous aussi. You as well. Quel que soit votre âge. Regardless of your age. Votre niveau social ou intellectuel. Where you stand in your role in society or your level of education. Revêtez-vous d'humilité. Put on humility. Et admettez que vous aussi vous avez besoin d'apprendre, de recevoir et de grandir. And admit that you too need to learn and to continue to grow in the things of God. Osée 4 verset 6 dit. Hosea 4:6 says. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. My people perish for a lack of knowledge. Paul dans 2 Timothée 2 verset 15. In 2 Timothy 2:15, Paul says. Nous encourage à dispenser droitement de la parole de la vérité. That we should rightly divide the word of God. Et en Jacques 1er verset 22. And then in James 1:22. Nous sommes exhortés à mettre en pratique la parole. We are encouraged to put the word of God in practice. Ne laissez donc rien ni personne ou aucun raisonnement vous empêcher de le faire. So I encourage you, do not let anything or anyone keep you, amen, from doing these things that the word appeals to you to do. Je vais terminer en adressant un remerciement très spécial. Before closing, I would just like to make one special thanks. Pastor Novaki. To Pastor Novaki. Sœur Novaki. Sister Novaki. Et la sœur Roselyne. And also Sister Roselyne. Qui dirige cette école. Who direct this Bible school endeavor. Merci pour vos exhortations, votre dévouement et votre passion. Thank you so much for your dedication and passion for this great work. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. That God bless all of you. Wow, Seigneur, on bénisse un peu plus encore une fois. Thank you, Jesus. We want to give these people a round of applause. On va tous se lever ensemble, on va prier pour eux. We want to all stand together so that we can push. Je vais inviter le Comité National de France de s'approcher. I would also like to ask the National Board to come forward. Et nous allons imposer nos mains sur nos étudiants. We're going to lay hands on them. Et prier pour que le Seigneur les bénisse. And pray that God blesses them. Et je vais vous dire ce que l'on va faire aussi après. I'm going to tell you what we're going to do briefly. Il y a un groupe de chanteurs qui va venir chanter. There is a special that we sung. Et nous allons nous mettre sur le côté pour faire quelques photos avec toute la faculté. While they bless you with the song, the faculty and the students of the school. Et la raison pour laquelle on fait ça maintenant, c'est que l'on n'a pas toute la faculté à chaque fois à l'école biblique. The reason we're doing that tonight is because it's not very often that we have the entire faculty together at the same place at the same time. Supportez-nous quand on fait quelques photos ici. So et donc, c'est pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? Be patient with us as we do this, and at the same time, be worshiping the Lord with this song. Amen. Donc on veut prier maintenant pour nos bien-aimés. So we're going to pray for our loved ones. Et nous sommes honorés d'avoir avec nous aujourd'hui notre comité national dans son entier. We're honored tonight to have our national board with us. Et nous voulons prier pour nos bien-aimés aujourd'hui. And we want to pray for these students. Et je vais demander à notre frère Valérie Agba de prier la prière principale alors que nous allons imposer nos mains sur nos bien-aimés. I'm going to ask our brother Valérie Agba to lead us in prayer as we pray for them. Père éternel, grand est ton saint nom. Seigneur, en cette soirée, c'est toi qui as ouvert cette occasion encore pour envoyer dans la moisson des ouvriers. Seigneur, que cette prière avancée devant toi produise son effet comme tu le désires. Que chacun puisse, avec ce qu'il a reçu, se mettre à l'œuvre.
Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Alors, faut que je vous avoue quelque chose. I want to admit something to you tonight. Je suis faible. I'm weak. Dans mon corps. In my body. Et vous savez quoi? But you know what? Jésus est en moi. The Lord Jesus is in me. Donc j'ai la force. And so therefore tonight I have strength. Quand je suis découragé. When I'm discouraged. Il me donne le courage. The, second, the Lord encourages me. Quand j'ai l'impression de perdre. When I have the feeling that I'm losing. J'ai la victoire en lui. I have victory in him. Et ce soir. And so tonight. Nous sommes tous. We are all. Des champions au nom du Seigneur Jésus. Champions in the name of Jesus. Alors je vais vous demander de vous lever. I'm going to ask you to stand for a moment. Et de louer le Seigneur avec nous. And to worship the Lord with us. Amen. Oh,
God bless you, you may be seated. Quelques annonces. We just have a few brief announcements. Demain dimanche, nous aurons notre dernière réunion de la convention. Tomorrow will be the final services of this great convention. Notre première réunion est à 9h30 et la deuxième à 15h30. The morning service will be at 9:30 and in the afternoon the meeting is at 3:30 p.m. Je demanderai à tous les participants de la réunion d'être là une demi-heure avant. All of you who have a part in these services, please be here 1/2 hour in advance. Les événements pour notre convention. The upcoming events in this convention. Inscription pour la soirée Paris by Night. To sign up for Paris by Night, which is a youth event. Juste pour vous expliquer rapidement. Just to tell you briefly what this is. Un bus nous attend à la fin de cette réunion. There will be a charter bus waiting for us. Tous ceux qui sont inscrits. All of you who have signed up. Et on va prendre ce bus et on va à Paris directement à la Tour Eiffel. We're going to take this bus and go directly to Paris to the Eiffel Tower. Faire un tour, quelques chants, peut-être évangéliser. We will make a brief visit. Et nous serons de retour vers les 2h du matin. We will be back on site here at 2 a.m. Inscrivez-vous très vite à la fin de cette réunion, il n'y aura pas beaucoup de temps. You know what? You're going to need to sign up as quickly as you can at the end of this service because there won't be much time. Demain dimanche, nous aurons entre les deux réunions le frère Justin Watt qui tiendra un point restauration. Désolé, sorry. Between the two services tomorrow, there will be food available for purchase for those of you who want to stay on site. Et après cette réunion, il y a une réception ministérielle au centre évangélique de Rocher. After this evening's service for our licensed ministers who are here present this evening, there is a reception that will be hosted at the church in Buda. Comme vous l'avez vu, nous avons quelques stands. As you've seen, we have several stands that are available here. Le stand IBF pour les informations et les inscriptions. The French Bible Institute has an information booth. La librairie pour tout ce qui est livres, CD et Bible. Also, the bookstore for everything that is books, CDs, media, etc. La duplication. Also, these services are available on CD. Et les CD sont disponibles à la fin de chaque réunion. And can be are available for purchase in the duplication booth in the corner there. You can purchase these CDs at the end of each service. Pour les inscriptions pour Paris by Night, il y a un stand aussi également. Also, if you want to sign up for this youth event tonight, Paris by Night, there is a stand for that as well over here, a booth. Un stand pour le quiz. Also for Bible quizzing. Et enfin, il y a un stand Nouvelle Église pour l'église de Villiers-le-Bel. And there's also a booth here. L'église grandit et ils ont ce projet à cœur. Je vous invite à aller visiter. Il y a une très très belle maquette. Allez visiter ce stand. The church in Villiers-le-Bel has, including a model of their future church, makes for a great visit. Stop by and see them. Que le Seigneur vous bénisse. And God bless you. Nous sommes un groupe de jeunes de l'Angleterre. We are a group of young people from England. Qui aime Jésus-Christ. Who love Jesus Christ. Qui adore Jésus-Christ. Who adore Jesus Christ. Ce soir, nous allons chanter une chanson en espagnol. So tonight we're going to sing you a song in Spanish. En anglais et en français. In English and in French. Et nous voulons que vous chantiez avec nous. We want you to sing with us. Alors, mettez-vous debout. Maybe you can stand. Chantez, dansez. And you know what? Sing and even dance with us. That the Lord would bless us. We're going to sing. Qui veut bénir ce soir? Il y a quelqu'un qui veut bénir? Anyone here tonight bless us? Qui veut bénir? Who's blessing us? Alors sing song, bénissez. Let's sing this together.
savez pas encore. God is in the process of mightily visiting the United Pentecostal Church this moment. Dieu fait de grandes, grandes choses parmi l'Église pentecôtiste internationale en ce moment. As you may know, my wife and I have been back in the United States and in Canada since April of this past year. Vous le savez peut-être, mon épouse et moi, nous passons depuis le printemps dernier, nous passons du temps en Amérique du Nord. This is with the goal of raising our support to come back for the next 4 years of ministry in France. Et c'est dans le but de récolter nos fonds qui nous permettront ensuite de revenir en France. So in our travels, we are in many, many different churches across our fellowship. Donc au fur et à mesure qu'on fait notre route, on visite de très nombreuses églises à travers l'Amérique du Nord. I'm not speaking about just one church tonight. Pas seulement une église ce soir. But church after church. Mais église après église après église. Revival is broken out and people have got such an intense passion to reach this world with the gospel of Jesus Christ. Il y a un tel renouveau, un renouvellement de la passion chez les chrétiens d'atteindre le monde pour Jésus-Christ. Something has gripped our people. Quelque chose s'est empris de nos gens. And I want it to grip me. Et je veux que ça me prenne aussi. Il y avait un grand événement de jeunes qui s'appelle le Congrès nord-américain des jeunes. It was held in a very, very, very large stadium. C'était en fait dans un salle de sport, un énorme stade de sport. 18,000 seats. Il y avait 18,000 places. When the inscription, when registration was opened up online to reserve your place. Quand l'inscription en ligne a été ouverte. 18,000 seats sold in less than 1 hour. 18,000 places ont été vendues en moins d'une heure. 18,000 young people came together to celebrate Jesus Christ. 18,000 jeunes se sont rassemblés pour louer le Seigneur. God is visiting our young people, church. Dieu fait quelque chose parmi nos jeunes. We are in the midst of something great. Nous sommes en train de vivre quelque chose de merveilleux. This is our day, young people. C'est notre moment, les jeunes. This is our hour, church. C'est le moment pour nous. Amen. Amen. Clap your hands to the Lord. Acclamons le Seigneur. Less than 2 months ago in the city of Nashville, Tennessee. Il y a moins de 2 mois de cela dans la ville de Nashville, au Tennessee. The United Pentecostal Church held its annual general conference in that city. L'Église Pentecôtiste Unie Internationale a tenu son assemblée générale annuelle. There were approximately perhaps 8,000 people there in any one service. Il y avait peut-être 8,000 personnes présentes dans chaque réunion. There are those who came. Il y en a qui sont venus. All of them having participated somehow in the expenses of that conference. Et chaque personne qui était là avait déjà participé aux frais de la réunion. And yet in every single meeting each evening, mais néanmoins dans le cadre de chaque réunion, tous les soirs, in the youth meeting, chez les jeunes, thousands of people, des milliers, in the home missions meeting, dans la réunion des missions internes, thousands of people, des milliers de personnes, in the global missions meeting, dans la réunion qui avait comme thème les missions internationales, thousands of people, des milliers de gens. The Holy Ghost moved upon these crowds in such a way that there was a desire to do more yet for the kingdom of God. Il y avait un tel esprit, l'Esprit de Dieu a tellement agi chez les chrétiens que même après avoir participé déjà aux frais de la réunion, ils ont voulu faire quelque chose de plus. You know, it's amazing when the Spirit of God moves upon people. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu agit sur les gens, it brings a very strong desire to give. Il y a un très grand, c'est toujours accompagné d'un très grand désir de donner. I'm not talking to
just about money. Pas simplement au niveau des finances. But a desire to give of everything that you've got. Mais le désir de se donner, de donner tout ce qu'on a. When we catch sight of the cross, quand nous apercevons la croix, God so loved the world that he gave his only begotten son. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. When we get a vision of the cross, something grips us. Quand on aperçoit la croix, quelque chose s'en prend de nous. I will conclude my testimony by saying this. Et je vais conclure mon témoignage en vous disant ceci. My wife and I, as well as brother and sister Novaki, mon épouse et moi, ainsi que le frère et la sœur Novaki, were in the meeting on that Thursday night for global missions. Nous faisions partie de cette réunion-là le jeudi soir pour les missions internationales. As a matter of fact, there were 30 missionary families present in that meeting in the United States. Il y avait 30 familles missionnaires présentes dans cette réunion. All of them crisscrossing the United States to raise their finances to go back to their fields. Et toutes ces 30 familles, en fait, sillonnaient l'Amérique du Nord en essayant de récolter les fonds pour pouvoir retourner. During this meeting, pendant cette réunion, during this church service, pendant cette réunion d'église là, the spirit of giving came upon this assembly of 8,000 people. L'esprit de Dieu agit chez les gens et les a poussés à donner davantage. So they began to give. Ils ont commencé à donner. They began to give with the goal of raising the finances for all of these missionaries to cease their traveling in the United States and go back to their fields. Et le but de ce don massif et ce don collectif, le but, c'était de pouvoir arrêter un petit peu tous le fait que les missionnaires doivent tourner pendant des mois, pour leur permettre de retourner dans leur champ de mission. In less than 20 minutes, en moins de 20 minutes, enough finances were raised, assez de finances ont été promises ou reçues. To conclude the deputation of the first 22 families on this list of 30. Et il y avait tellement d'argent donné et promis que 22 de ces 30 familles ont pu arrêter, couper leur tournée missionnaire. And I want to thank the Lord today. Moi, je veux remercier le Seigneur aujourd'hui. That it allowed brother and sister Mabaki to come back to the field very prematurely. Que ça a permis au frère et à la sœur Mabaki de retourner très promptement sur le chantier en France. Because we need our bishop to be on site. Parce que nous avons besoin de notre évêque ici sur place. We prefer him here than over there across the seas. Il est beaucoup mieux ici en France qu'ailleurs. Thank you, Jesus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. But it also reduced our travel time. I'm speaking of my wife and I. It reduced our travel time in North America by 6 months. Mais en ce qui concerne mon épouse et moi, ça nous a aussi réduit notre temps de tournée missionnaire de l'ordre de 6 mois. Why is this testimony of importance this evening? Pourquoi est-ce que je vous partage ce témoignage ce soir? Because all of us who are here this evening have participated in the expenses of this facility, the expenses of this convention. Oui, tout ça parce que chacun d'entre nous ce soir, on a déjà participé au défraiement du bâtiment, de la sono, etc. That wasn't so that we could come to church. C'était pas la prix d'entrée pour pouvoir venir à l'église. That was so that we could have a convention and invite many people. C'est pour qu'on puisse avoir une convention afin d'inviter d'autres personnes. But there are horrendous expenses involved in doing what we're doing this week. Toujours est-il, il y a de grandes dépenses qui ont été faites pour nous permettre ce grand rassemblement. I'm going to ask you tonight to stand with me. Je vais vous demander de vous lever ce soir. And we're going to pray again. Et on va prier encore. And I invite as well the ushers to come forward. Et j'invite les huissiers à s'avancer. And before coming to a conclusion on what it is that I just shared with you, et avant de conclure en fait ce que je viens de partager avec vous, perhaps we could pray together and ask the Lord to speak to us individually. Peut-être pourrions-nous prier et demander au Seigneur de nous parler chacun individuellement. I came this weekend to be a blessing. I wasn't expected to be here. Je suis venu ce weekend pour être une bénédiction. Normalement, je m'attendais pas à pouvoir y être. This is a very quick trip to France for me. I leave on Monday morning. C'est un voyage très rapide pour moi. Je repars déjà lundi matin. But there's a joy in my heart to be able to be here and to participate in what we're doing right now. Il y a une grande joie dans mon cœur de pouvoir participer à cette réunion. Because the bottom line is, it's more blessed to give than it is to receive. Parce qu'au fond, on est plus béni lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Would you let the Lord use you tonight to be a blessing?
Laissez le Seigneur se servir de vous ce soir pour être une bénédiction. So we talk to him for a few moments. Prions. Jesus, I pray even right now in your name that your spirit would come upon us again this moment. That in this place, Jesus, a spirit of sacrifice would come upon your people. Not just that we might be able, Lord, to meet all of the financial needs of this convention, but that somehow you would transform our hearts to see that it's more blessed to give than it is to receive, for you gave, and you continue to give, and you take care of us. You provide for us. You're the great provider. And I pray tonight that you would bless everyone who is in this house. Lord Jesus, namely by the presence and the power of your Spirit, I pray for a fresh anointing upon this assembly tonight, that as we give with joy. Lord, that we give, Lord, in an attempt to further your kingdom and to be a blessing to you and to all those around us. I pray even right now in the name of Jesus Christ that you would be lifted up, that you would touch every heart, and that you would use us according to your will. In Jesus' name we pray, and everyone said amen. Why don't you clap your hands to the Lord? God bless you. These gentlemen are serving you. Je vous bénissez, que vous puissiez vous rendre vous. You can take your places. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir, mes frères. Je m'assois. Je m'appelle Guillermo. God bless you. Je m'appelle Guillermo. God bless you, brothers and sisters. Je remercie le pasteur Marquis. Thank you, Brother Joaquin, for allowing me to sing. Hoy quiero cantar a ese que realmente todo lo merece. Hoy quiero expresar cómo está alegre y lo agradecido que estoy. Hoy quiero decir que este talento que mi Dios puso en mi andar, yo distribuí, haciendo cosas vanas, glorias al final, porque yo creí que yo era bueno y que tenía la razón, y he pedido fui al pregonarse de la vida un vencedor, y apartado fui. Pero hay un ser llamado Jesús que es bondad de amor y que a su lado sin inquietud siempre me esperó. Él sabe lo que hay en tu ser, nos conoció antes de nacer. Él es tan grande y en tu palabra es tanto amor, tanta dulzura y comprensión inescrutable. Yeah.
chanson n'aura pas besoin d'introduction. I don't think that this song is going to need an introduction. Je t'appuie des mains plus fort qu'aux parents. Thank you.
c'est que nous sommes dans le temps et pas dans l'éternité. There's only one thing that I can observe tonight is that we are still in time and not yet in eternity. Et nous sommes obligés de regarder la montre toujours. So we're obliged to follow a schedule. On est si bien dans la présence de Dieu. It is so good to be in His presence. Quand on passe une minute dans ses parvis. When we are just one minute. Mieux une heure dans ses parvis que mille autres ailleurs. Better 1 hour in this world than 1,000 others. Nous sommes contents d'avoir avec nous notre frère Chadwick King qui est venu depuis Santa Rosa de Californie. So happy to have with us tonight our special guest brother Chadwick King who pastors in. Et cet après-midi, il a réellement parlé à l'église. You know, he really spoke to the church this afternoon. Et chacun d'entre nous, nous avons été concernés. And all of us were concerned. Et nous avons faim et soif d'entendre encore la part du Seigneur. And you know, we're hungry and thirsty here tonight to hear what the Lord has to tell us. Sans plus tarder, nous allons nous relever. So we're going to stand together without further delay. Nous voulons donner à notre frère Chadwick le temps qu'il a besoin pour nous apporter la parole. And we want to give our dear brother the time he needs to bring to us the word. Sans plus tarder, nous voulons lever nos mains vers le ciel. Let's lift our hands to the Lord. Et prions sur le Seigneur, parle-moi ce soir. Let's pray, Jesus, speak to my heart. Envoie-moi du Saint-Esprit. Anoint me in your spirit. Envoie un prédicateur du Saint-Esprit. Anoint the preacher with your spirit. You know the needs that are here. Tu connais les besoins dans ma vie. You know the needs in my life. Que ta volonté soit faite. That your will be done. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of Jesus. Praise the Lord, everybody. You are looking to wonder. Man, I've got to learn how to dance like that. Hey, je dois apprendre à danser comme vous. That was good. C'était bien ça. You guys are good. Vous êtes trop bien. I feel the presence of the Lord. Je sens la présence de Dieu. I feel excitement in the house. Je sens que vous êtes en feu pour le Seigneur. I see victory in this place. Je vois la victoire déjà dans ce lieu. Amen. 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 God's doing a work. Dieu fait quelque chose de grand. I'm excited we get to be a part of it this weekend. Et je suis content de faire partie de ça avec Amen. Vous. To all of our guests that are here tonight. Pour chacun d'entre vous qui est invité ce soir. If you're new to the church thing. Si ce truc de l'église est un petit peu nouveau pour vous. You're probably wondering, are they always like this? Peut-être vous vous posez la question, mais ils sont toujours comme the ça. The answer is yes. Oui. We have something to celebrate. Nous avons quelque chose à célébrer. We've been washed. Nous avons été lavés. We've been redeemed. On a été rachetés. No more guilt. Plus de culpabilité. No more shame. Plus de honte. It feels good to be free in Jesus. On est content d'être libre en Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus did not come to make bad people good. Jésus n'est pas venu pour faire des mauvaises personnes de bonnes personnes. He came to make dead people live. Il est venu pour comprendre les morts et leur donner la vie. We were dead. Nous étions morts. Without hope. Sans espoir. Without life. Sans vie. But the Holy Ghost filled us. Et le Saint-Esprit nous a rempli. The Spirit changed us. L'Esprit de Dieu nous a changé. The Bible says now we are alive. Praise God. Would you grab your Bibles? Prenez vos Bibles en main. Or your iPads? Ou vos iPads? Or your phone? Ou vos téléphones? Would you open your Bible? Ouvrez vos Bibles. Or your app? Ou votre appli? In your iPad or phone? Dans votre iPad ou votre iPhone? I've got to give a special honor to my wife. Je dois honorer tout particulièrement mon épouse qui est là ce soir. I'm glad she was able to be with me this week. Je suis content qu'elle a pu m'accompagner sur ce voyage. Amen. I love her very much. J'aime beaucoup. That's right. No better place to bring your wife than France. Il n'y a pas de meilleur endroit qu'on puisse amener sa femme qu'en France, n'est-ce pas? Amen. And she keeps me normal. C'est elle qui me tient normal, équilibré. He really does. C'est vrai.
Genesis chapter 4, Genèse chapitre 4, and verse 25. Et le verset 25. And it reads like this: And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth, for God said, She hath appointed me another seed instead of Abel, who Cain slew. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Donc Genèse 4, 25 et 26, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela au nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. I want to speak to you out of a burden tonight. Ce soir, je veux vous partager mon fardeau ce soir. I have a burden that our young people, j'ai un fardeau pour nos jeunes, that our churches, que pour nos églises, finish strong, que nos églises puissent terminer en bonne forme, bien fort. Amen. Not just start the race, pas simplement commencer la course, but finish the race, mais la terminer aussi. Amen. I want to talk to you tonight on this subject. Je vous parler sur ce sujet. Failure is not final. Échouer ne veut pas dire ne plus reprendre. Failure is not final. Échouer une fois ne veut pas dire ne plus reprendre. Will you put your hands in the air? L'échec n'est pas final. Amen. Would you lift your hands in your hearts? Levez vos mains, vos cœurs. Heavenly Father, right now in the name of Jesus, we honor you. We thank you for your presence. We thank you for the power that we feel in this place. We thank you, Lord, for bringing our friends and family together, our churches together. We thank you for unity. We thank you for vision. Lord, deposit this word deep into our hearts. In Jesus' name we pray. And everybody, would you say amen? Que tout le monde dise amen. Hallelujah. God bless you. You may be seated. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. The Bible talks about mighty men. La Bible parle de grands hommes. Talks about men of greatness. Des hommes d'une grande renommée. It talks about how the mighty men have even fallen. Que même les hommes forts ont connu des échecs. That every one of us are prone to sin. Que chacun d'entre nous, on a un penchant vers le péché. And every one of us a proclivity or a natural propensity to sin. Et que chacun d'entre nous, comme on est né dans le péché, on va pécher. When you were filled with God's Spirit, quand vous étiez rempli de l'Esprit de Dieu, you didn't get rid of the old nature. L'ancienne nature n'a pas été abolie. Now you have two natures inside of you. Maintenant, il y a deux natures qui sont à l'intérieur de vous. Two natures battling inside of you. Deux natures qui se combattent l'un contre l'autre. God's holy nature inside of you. La nature sainte de Dieu à l'intérieur de vous. And the old fallen nature inside of you. Et l'ancienne nature, la nature du péché. And until the coming of the Lord, this battle will be the battle that you will have to wage war in. Et jusqu'au retour du Seigneur, cette bataille, ce combat va se livrer dans vos vies. You are making decisions every day. Chaque jour, vous faites des choix. And you're not just making decisions. Et ce n'est pas simplement une question de faire des choix. But you are made by your decisions. Mais vous êtes refait à la façon de vos choix, vos décisions. Choices that you are making, des choix que vous faites maintenant, are shaping your life. Vont changer un petit peu la forme, l'aspect, le regard de votre vie. Choices that you're making today, les choix que vous faites aujourd'hui, are seeds. Sont comme des semences. And when you make that decision, et lorsque vous faites cette décision, you are planting a seed, vous plantez une graine dans la terre, into your future, dans l'avenir, a seed that will become fruit,
une graine qui va éventuellement porter fruit. And fruit that you will have to partake in the future. Et le fruit dont vous allez devoir le consommer et l'assumer après. Whatever a man sows, ce que l'homme sème, that will he have to reap. C'est ça qu'il va aussi récolter. I love conferences. J'aime bien les conférences. I love to worship. J'aime bien louer le Seigneur. I love the Word of God. J'aime bien la parole de Dieu. But where the rubber meets the road and where it really matters. Mais là où ça devient vraiment très important is when we go back home. C'est lorsqu'on rentre chez nous on Sunday night. Dimanche soir après la réunion. There's going to be decisions that we make. Il va y avoir des choix qu'on sera porté à faire. And those decisions will change the trajectory of our lives. Et ces choix que nous faisons vont changer la direction de notre vie. I have seen young people. J'ai vu des jeunes. Start the race. Qui ont commencé cette course. But not finish the race. Mais qui ne l'ont pas terminé. Perhaps you know people. Peut-être vous en connaissez certains aussi. Who were once in one of these seats. Qui auparavant étaient ici, parlez-vous, aux réunions. But now they're absent. Mais maintenant ils n'y sont plus. They started the race. Ils ont commencé la course. But they have not finished their race. Ils n'ont pas achevé. They are currently not in the race. Et pour l'instant, aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette course. The Bible says the enemy comes in like a flood. La Bible dit que l'ennemi vient comme une inondation. He comes in not a little drip. Pas une petite goutte d'eau à la fois. But he comes in on every side. Mais il vient de tous les côtés. He's at war with the saints. Et il se bat contre l'Église. He's at war with the people of God. Il se bat contre le peuple de Dieu. Because he's not scared of anybody in the earth. Parce qu'il n'a peur de personne sur terre. Except the people of God. Sauf le peuple de Dieu. He's nervous. Il est nerveux. About the people of God. Quand il regarde le peuple de Dieu, oui. What keeps the devil awake at night? Ce qui empêche au diable de s'endormir. Are people who are making decisions. C'est les gens qui prennent des décisions. To follow Jesus. De suivre le Seigneur. Young people. Jeunes. Who are saying no to drugs. Des jeunes qui disent non, je ne participerai pas à la drogue. Young people who are gathering together to pray. Des jeunes qui se rassemblent pour prier. Young people. Jeunes. Who love the word of God. Qui aiment la parole de Dieu. Young people. Des jeunes. Who are saying no to the world. Qui disent non au monde et aux choses du monde. These are the ones. C'est ceux-là. That have the power. Qui ont la puissance. That have the key. Qui ont les clés. To shake hell. Et de secouer l'enfer. And to make a difference. Et de faire une différence dans le monde. So the enemy is at war with the saints. Alors l'ennemi il fait un combat contre l'Église. The enemy is at war with the church. Il fait guerre contre l'Église. And the Bible talks about. Et la Bible nous parle de cela. Oh how the mighty. Oh, à quel point les hommes forts have fallen. Ont échoué. Those who sat in high places. Ceux qui étaient anciennement assis sur des chaises importantes. Those who have the most to lose. Ceux qui ont le plus à perdre. The Bible tells us about Lucifer. La Bible nous parle de Lucifer. Who stood in the very presence of God. Qui se tenait dans la présence même de Dieu. An angel unlike any other angel. Un ange pas comme les autres anges. An angel that was created. Un ange qui était créé. To stand before the throne of God. Pour se tenir devant le trône de Dieu. Inside of him. À l'intérieur même. Were gems. Et de lui étaient des pierres précieuses. Stones. Et des pierres. And when the light of God would begin to shine, et au fur et à mesure que la lumière de Dieu commençait à partir de lui, it would shine through those stones. Ça passait à travers ces pierres précieuses. And create a light show in all of heaven. Et faisait un spectacle de lumière comme jamais il n'y a eu. When Lucifer would move through heaven, quand Lucifer se déplaçait au ciel, there was a sound that came out of him. Il y avait un son qui émanait de lui. The timbrel. Et le timbre. And the pipe organ. Et l'orgue. He wasn't just a worshiper. C'était pas simplement un adorateur. He was worship. C'était l'adoration. It was built inside of him. C'était à l'intérieur de lui-même. He was in the highest position. Il avait la plus haute position. In the presence of God. Dans la présence de Dieu. But oh, how the mighty have fallen. Mais oh, à quel point les grands sont tombés. Those who have seen the most. Ceux qui ont vu le plus.
those who have known the most, ceux qui ont connu le plus, those who have stood in the presence of God, ceux qui sont, se sont tenus dans la présence même de Dieu, there's not one person under the sound of my voice, il y a pas une personne au son de ma voix, that isn't vulnerable to the fall, qui n'est pas vulnérable à l'échec. It can happen even to the greatest of us. Ça peut arriver même aux plus grands d'entre nous. I've seen it happen to men of God. Je l'ai déjà vu se passer aux hommes de Dieu. I've seen it happen to great saints. Chez les